Alors juste avant de commencer la vidéo, petite dédicace à Sparks Gaming, donc qui m'a demandé une petite dédicace. Et aussi, il y a une très vieille légende qui date au moins d'il y a 1 milliard d'années avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même il y a très longtemps, t'imagines le délire quand même. Et ben en fait, il y a une légende qui dit que le jour où Sparks Gaming aura 50 abonnés, il fera un pack opening. Après, c'est une légende, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas... Petite dédicace. Et aussi une petite dédicace à CRC Ryan FR qui m'a demandé une petite dédicace et donc du coup, petite dédicace. Mais attendez, c'est pas fini. Il y a une petite troisième dédicace pour Clash Royale, la série de fous, de malades mentales, mon pété. Des malades mentales. Et voilà, donc du coup, petite dédicace à Clash Royale, la série de fous. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la vidéo, tout simplement. Et donc du coup, tout de suite. Ah, mais attends, mais non, j'ai pas fini. Ah, tu peux attendre 2 secondes, s'il te plaît. Voilà, j'ai juste un petit truc à te dire. À 18h, il n'y aura pas de vidéo. Oh, vous allez me foutre une tarte, mais il n'y aura pas de vidéo à 18h. Normalement, ça devait être du Mario Sunshine, tu vois, Mais il n'y aura pas de Mario Sunshine, tu vois. Ni de Mario tout court, il n'y aura rien du tout. Tu vois, il est mort, Mario, il est chaotiquement mort. Donc, du coup, il n'y aura pas de Mario Sunshine, tu vois. C'est dommage, mais c'est dommage, je sais pas, mais c'est comme ça, c'est... Oui, voilà, donc du coup, il n'y aura pas de Mario Sunshine. Et donc, du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pourquoi pas. Bon week-end, voilà, donc je l'ai pas dit là. Vidéo parce que je dis jamais dans les vidéos parce que je sais jamais à l'avance où quand c'est que je vais mettre la vidéo, on sait jamais s'il y a un problème, tout ça, blablabla. Enfin bon, et donc du coup, bon week-end, et puis bon, il est 4h30, hein, donc enfin 4h, je veux dire, donc je pense que oui, bon week-end, ça c'est un petit peu quand même approprié, non, hein, à cette heure-ci, je pense, ouais, ça devrait le faire, voilà, et sinon, c'est tout en fait, voilà, donc moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, 2 petites attaques pour ouvrir le coffre à couronne, c'est parti! Et donc du coup on va commencer par les coffres en argent. Attention, qu'est-ce qu'il y a dans les coffres en argent? Moi je vous le dis, on a un maximum de troupes. C'est obligé. Alors déjà on a 55 d'or, c'est déjà pas mal. Une 3 mousquetaires, ce qui est déjà pas mal. Bon, j'utilise pas vraiment, hein, on va pas se le cacher, c'est assez compliqué à utiliser. 9 mortiers, franchement j'aime pas trop cette carte là, je l'aime pas trop, tu vois, hein. À part tirer sur les tours avec, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire. Donc sinon on a 60 d'or, c'est déjà pas mal. Un sorcier, c'est pas dégueu. 9 géants royaux, ça fait plaisir. Enfin non, en fait non. C'est le sorcier, ça fait plaisir. Et le géant royal, c'est pas dégueu. Alors du coup, 57 d'or, c'est un peu moins bien, mais c'est plus que 55. C'est entre les deux en fait, hein, tout simplement. Et donc du coup après, sinon on a quoi? Encore un sorcier, je préfère le cochon ou la valkyrie, mais c'est pas très grave. Et 9 gobelins lance, ça par contre ça fait plaisir. Et sinon on a quoi d'autre? Attention, coffre gratuit les gars. Coffre gratuit, c'est le suspense total. 76 d'or, ouais, ça va. Une pierre tombale, ouais, pourquoi pas. Ah, 9 squelettes, ça fait plaisir. Les squelettes, toujours aussi génial. Bon, ils sont plus que 3, mais bon, malgré tout, c'est quand même aussi génial. Ouais, on s'en fout, c'est pareil. Donc, 71 d'or, ça fait plaisir. Une fournaise, ouais, bon, c'est en vie, oui. 9 bombardiers, ça fait plaisir. Ils sont très puissants, les bombardiers, je vous conseille. Et coffre d'or, attention, est-ce qu'on aura une bonne carte? 211 d'or, c'est déjà pas mal. 9 géants royal, non, pas trop le délire. Ouais, 19 bas en bas, barbare, oh là là. J'étais entre le bombardier et le barbare, du coup c'était un peu bizarre. Oui, donc 19 barbares, ce qui est déjà pas mal. Bon, j'utilise pas encore vraiment, mais peut-être qu'à un moment, il faudra que je m'y mette. Alors sinon, il y a quoi d'autre? 3 prières tombales. Ouais, et... Ah, bah voilà, c'est ça que je voulais, un ballon, mon gars, un ballon, hein. Voilà. Pas un bas court, hein. C'est bas court, c'est pas bien, tu vois. Après, on voit les jambes et tout. J'aime pas. Je préfère les ballons, tu vois. Bon, voilà, petit jeu de mots fait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coffre à couronne, 508 d'or. Oh là là, toujours aussi plaisant, mon gars. Toujours aussi plaisant. Alors, 2 gemmes, attention. Oui, bah oui, 2 gemmes, c'est déjà bien. Oui, donc, 11 électrocution. C'est pas trop mon kiff, l'électrocution. Ah, 19 bombardiers. Ouais, dommage. Non, mais je m'attendais, tu vois, à des barbares, moi. Non, les bombardiers, toujours aussi puissants, ça fait plaisir. 27 gobelins à lance. Et franchement, là, c'est un bon pack opening, hein. Et attention. Oh, 7 golems de glace. Ah, franchement, si ça aurait terminé sur 7 Valkyrie. Pou, pou, pou. Ça aurait terminé sur 7 Valkyrie ou 7... comment il s'appelle? Méga gargouille, là. Ça aurait été magnifique. Malheureusement, j'ai eu du golem de glace. C'est pas très grave. En attendant, on a fait quand même un bon petit pack opening. Au niveau de...
comment ça s'appelle? Attends, je vais te le dire. Au niveau de... Oui, on a eu le ballon et tout là. Oh, le ballon, ça fait plaisir. Franchement, rien que pour ça, tu vois, ça fait un bon pack opening. Ah, le ballon, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des ballons comme ça en ouverture de pack. Et ça fait plaisir. Et j'ai oublié de vous dire un truc. Oh, ah ouais, mais j'ai... Oh, ça m'est sorti de la tête. Ah, j'ai oublié de vous le dire hier. D'ailleurs, j'ai dû faire mes 3 attaques avec. J'ai oublié de vous dire un truc. Alors en fait hier, enfin même pas hier, mais avant-hier, j'ai gagné, enfin j'ai acheté, j'ai pas gagné, j'ai acheté la tornade et j'ai oublié de vous la montrer hier. Et ouais, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Bon c'est pas grave, on le fait pour aujourd'hui, bah de toute façon il faut bien qu'on le fasse. On le fait pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va remplacer, bah tiens on va pas jouer à ça, tiens. Ça c'est le deck que j'ai utilisé hier ça. Non on va utiliser ça plutôt. Non elle est pas là, elle doit être en bas, elle est où? Attends, vous l'avez peut-être vu. Elle est où? Elle est là. Voilà, elle est là. Donc on va l'utiliser contre quoi? Pas les flèches parce que j'ai pas envie. Ah, c'est compliqué à ce moment-là. Tu vois, tu te dis qu'est-ce qu'on va changer? Allez, le prince. On est des fous. Ah, on est des fous. On est comme ça. On va changer contre le prince. Et donc du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour faire 2 petites attaques avec ce deck. Et après, on ouvre le coffre à couronne. C'est parti. Allez, c'est parti. On est contre un niveau 8 et ça. T'en fais plaisir. Donc du coup on va mettre la petite méga gargouille histoire de défendre dès le début. Et puis on va tenter d'utiliser la... Comment elle s'appelle déjà? La tornade. On va tenter d'utiliser la tornade. Donc c'est bien ça hein, la tornade ou pas? Tu peux me dire le nom s'il te plaît? Le nom de la tornade? Tornade ou pas? Oui, tornade c'est ça. Donc ouais bon c'est pas non plus extrême tout ça hein. Ouais je sais pas, j'avais pas trop envie de l'utiliser en fait. Tu vois, je me suis dit non c'est peut-être pas trop... Non tu vois c'est... Peut-être pas trop utile de l'utiliser maintenant. On aura bien un moment où on va l'utiliser de toute façon. Donc on va essayer d'utiliser le plus rapidement possible histoire de voir hein, les dégâts qu'elle peut faire, enfin les dégâts, l'utilité qu'elle peut avoir. Donc je sais pas vraiment si vraiment tu vois, peut-être pour le kiff des fois, tu sais pour le kiff histoire de, voilà des fois de se marrer un petit peu, tu mets une petite tornade et tout là. Alors juste est-ce que ça peut rapprocher ça? Et franchement si ça le fait, attends on va tester. Non. Et pas fait ça rapproche tout. Ah c'était génial le kiff. Non franchement le kiff, je pensais pas que ça rapprochait et tout. Et finalement, ça rapproche de ouf. Juste, bon, là, je vais me faire un petit peu exploser. C'est pas très grave. Voilà, ça arrive. Voilà, de toute façon, on va un petit peu tout casser. Ouais, s'il te plaît. Non, ouais, c'est bon. Ah, il touche la tour. C'est pas grave, on envoie un max. Parce que sinon, on va jamais y arriver. Faut envoyer un max. Allez, encore. Attends, je vais prendre des flèches. Bah, attends, je me fais pas avoir. Moi, je me fais pas avoir comme ça. Ouais, bon, c'est pas non plus extrême, mais... Ouais, bon, c'est pourri. Ouais, ok, d'accord, on est d'accord, c'est pourri. Mais bon. C'est pas grave, on va quand même se rattraper. On a une tornade, donc forcément, avec la tornade, on va faire un max de dégâts. Hein. Non, mais ouais, c'est... Peut-être avec les petites troupes, comme ça pourrait être pas mal, la tornade. Ouais, genre, par exemple, je sais pas, il y a des squelettes ou choses comme ça, ou... je sais pas, enfin bon, il faut voir. Donc, du coup, on va mettre le Molotov ici, tranquillou. On va mettre les petites archers. Et puis, je sais pas ce qu'on va faire, en fait. On va peut-être envoyer la... Je sais ce qu'on va faire, attends, regardez. On va mettre la... On va mettre la horde de gargouille et puis la petite tornade. Petite tornade qui devrait faire du taf. Oh, pour les... Ah non. Mince, ça a pas fait ce que je pensais qu'il... Oh oui, c'est bon. Je pensais que... Comment ça s'appelle? Oh, les dégâts qu'on a fait là-haut. Mais c'est de la balle. Attendez, les petites flèches, tranquillou. Petite flèche. Pouf. Oh, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça, c'est bon, ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, comme on défend trop bien. Mais là, on est trop bien. Regardez-moi ça, on est acharné là. Pouhouhou. Oh, regardez. Hop, on tue. Et c'est fini, mon petit. Ça, c'est bon, ça. Alors, du coup, on va envoyer le Mozdav, c'est parti. Et franchement, la tornade, ça va, ça peut être kiffant. Donc, je me suis dit, pour les esprits de feu, ça se trouve, ça allait absolument bien défendre. Ça a pas défendu totalement bien, mais il y a moyen que ça défende un max. C'est moi qui vous le dis. Alors, du coup, on va envoyer les flèches, attention. Les petites flèches. Pouf. Ouais, bon, ça va, ça a quand même bien défendu. Là, je pense qu'on a été détruit la tour. Ouais. Oh, magnifique. Ça fait plaisir. Bon, en attendant la tornade, j'avoue que... Bon, c'est pas dégueu, c'est marrant. On va pas se cacher, c'est marrant. Mais de là à dire que c'est vraiment très puissant, non, c'est... C'est pas très puissant. Enfin, c'est pas très très utile. Mais c'est quand même marrant. On va pas se cacher, des fois, utiliser, ça peut être marrant comme ça. Histoire de diversifier. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti.
Allez, c'est parti, on est contre Lonzo 21 qui est niveau 9, la base, et ça, ça fait plaisir. Donc du coup, petit sourire, petite bonne chance, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le molosse de lave, les archers, et puis après on utilisera la tornade. Pour faire quoi, je sais pas, mais on utilisera la tornade. Franchement, ce qui serait pas mal avec la tornade, c'est que ça tue toute une horde de gargouilles. Ça, franchement, ça serait le kiff total. Mais ça m'étonnerait... Oh, vous avez eu la même idée que moi ou pas? Moi, j'ai eu la même idée, en tout cas. Ah oui, mais non, c'est pas possible, vu que... Bah oui, j'ai eu la même idée que moi, oui, voilà. Alors, est-ce que ça la tue? Ça la tue pas? Ah, c'est dégueulasse, quand même. Bon, en tout cas, on sait que ça sert pas à tuer les troupes, hein. Ça, c'est clair que non. On va peut-être pas envoyer ça. On va peut-être... Oh, la horde de gargouilles, tiens. Bah, je sais pas, j'ai envie de tester, d'envoyer ça. De toute façon, elle va être... Regardez, il y a moins que ça fasse du taf. Oh, le taf! Comment j'ai trop bien fait! Oh! Oh là là là! Oh le taf! Oh mais comment ça fait mal? Ça doit faire mal! Hein. Oh, ça doit faire trop mal! Bon bah mon gars, t'es foutu! T'es foutu! Ah il est foutu, il est foutu! Bon bah ça fait plaisir! Du coup, Bon, tu arrêtes de tout répéter s'il te plaît! Voilà, donc, du coup, les archers! Et puis on va envoyer. Je sais pas ce qu'on va envoyer! À la limite, on va envoyer la tornade, ça peut être marrant, ça peut être délirant! Voilà, on va envoyer quoi? La gargouille, qui peut être le kiff aussi. Ouais. Oh là là, regardez-moi ça. Et en plus, la méga gargouille qui va faire du taf sur le sorcier et tout. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Bon, le sort de zap qui nous a un petit peu... ralenti, mais bon, c'est pas très grave, on fait quand même un maximum de dégâts. Et regardez-moi ça sur la tour, là. Oh là là, les archers qui sont toujours aussi géniales. Eh ben, il est fini, le mec, il est fini. Bah voilà. Non mais le mec, il est mort. Alors là, mais ouais, non mais tu m'étonnes. Mais rigole pas mon gars, c'est un truc de fou. Tu t'es fait exploser. Le mec, il a pas pu défendre de rien du tout. Le mec, il aurait eu... Bah déjà avec le sorcier, il aurait pu quand même essayer de me défendre un minimum. Mais il a pas bien réussi. J'avoue que là, la tornade, elle me fait un petit peu délirer quand même. Mais bon, après, de là à l'utiliser pour de vrai, je sais pas. C'est vrai que... Le prince ténébreux, quand même, il est quand même aussi génial. Bon, pour l'instant, je vais la garder. Peut-être un petit moment. Pas sûr. Bah, de toute façon, on est le week-end. Donc, de toute façon, c'est pas trop le délire. Mais peut-être que je la garderai pour la semaine prochaine un petit peu. Ah, je sais pas. On verra bien. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. Et donc, du coup, bah, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Et c'est parti. On a un petit coffre à couronne à ouvrir. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Attention. Est-ce qu'on va avoir une troupe de malade mentale? 478 d'or, c'est déjà pas mal. Mais si ça fait plus de troupes, tant mieux. 2 gemmes, attention. 2 squelettes. Oula, il aime bien le 2 apparemment. Alors du coup, ce qu'on va faire, attention. 3 cochons, les gars. De la balle. Et 3 tours à bombe. Ouais, disons que ça passe. Et 56 barbares, c'est déjà pas mal, mais j'aurais préféré quand même un petit peu plus des archers, tu vois. Non, les archers, c'est de la balle. Ou alors sinon, une horde de gargouilles, pourquoi pas. Mais les barbares, c'est déjà pas mal, on a eu 3 cochons, les gars, 3 cochons. En plus, juste avant, j'ai gagné un petit coffre magique, là. Ça fait plaisir, il y a combien de... Il y a 3 épiques dedans, 3 épiques, et c'est déjà pas mal, 19 rares. C'est énorme. Donc ça fait plaisir, voilà. Donc ça sera pour la prochaine fois, donc pour la semaine prochaine. Voilà, donc en attendant... en attendant, on va se terminer sur ce. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.